Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. Il faudra être attentif et ne pas se faire piéger, car c'est le genre d'étape où l'on peut perdre beaucoup de temps pour le général. Méfiez-vous du vent. Bonne étape. Mesdames et messieurs, bonjour. Les sprinteurs auront certainement pointé cette étape parmi leurs objectifs. Nous devrions assister à un scénario assez classique avec un peloton qui gère l'écart avec les échappés en vue d'un regroupement avant la préparation d'un sprint massif. Attention toutefois, le vent latéral qui pourrait souffler dans le final viendra peut-être perturber le déroulement du sprint. Le maillot jaune fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. T'en as bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. T'es parti seul, vu le profil, c'est un peu mission impossible. J'espère que tu vas recevoir du renfort. Sa spécialité, c'est le sprint, mais au niveau mondial, difficile pour lui de s'imposer sur une arrivée massive. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Il n'a pas l'air de vouloir vous laisser plus d'avance et ses équipiers roulent.
Ça va être le jeu du chat et de la souris. T'es à 5 km du sprint intermédiaire. Allez, on attaque, allez, on se bouge. Allez, on lâche rien. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. Allez, plus vite. Les coureurs entrent maintenant dans la zone de ravitaillement. Ils vont pouvoir récupérer de quoi s'alimenter.
droite. Attention les gars, on arrive sur une zone dégagée. Comme prévu au briefing, il y a du vent. Restez à l'avant. Le vent semble bel et bien présent. Il risque d'influencer le déroulement de cette fin d'étape. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. À 15 km de l'arrivée, le peloton est d'ores et déjà en train de préparer son sprint final. Il serait étonnant de voir quelqu'un réussir à sortir et résister au train des sprinteurs. De l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Pendant le sprint, essayez de rester dans les roues le plus longtemps possible pour profiter de l'aspiration. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. On se dirige vers un sprint massif. Il vient de tomber. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Trente secondes d'avance pour la tête de course. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures.
l'idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. La flamme rouge, tout va se jouer dans les derniers mètres pour les échapper. Dernier kilomètre! Allez, c'est toi le meilleur sprinter! Attention, on va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement, voici le maillot blanc de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres.